Avant d'utiliser OneDrive, il faut créer un compte OneDrive qu'on peut faire depuis un iPad ou depuis un Mac ou un PC, depuis un navigateur. Alors, dans le cas présent, nous ferons l'inscription depuis le navigateur Safari sur un iPad. Alors, quand vous vous connectez à onedrive.live.com, vous avez une page d'accueil et vous touchez S'inscrire gratuitement. Vous allez maintenant vous, vous inscrire pour créer un compte Microsoft. Donc ce sera l'équivalent compte Microsoft ou compte OneDrive. Alors sur la page qui euh, s'affiche, vous allez créer le compte en entrant une adresse électronique valide. Vous cliquez ensuite sur suivant et là j'ai rentré l'adresse et silactès.cornille.com et je touche suivant. Je vais maintenant entrer un, un mot de passe et je touche le bouton suivant. Je donne ensuite une date. De naissance alors attention euh, si vous créez un OneDrive euh, pour une association il vaut mieux donner la date de naissance d'un d'un majeur euh, sinon et euh, vous demandera euh, d'avoir l'autorisation d'un euh, d'un majeur si vous avez mis, si vous avez mis une date de naissance qui corresponde à un mineur j'ai donné une date de naissance et je touche euh, suivant. Il faudra ensuite entrer un code de sécurité que vous recevrez par courrier électronique à l'adresse que vous avez donnée tout à l'heure, c'est-à-dire ici dans notre cas silac.test@cornille.com. J'ai reçu le message de validation avec le code. Donc là le code en question c'est 9849. Je vais copier ce code et le coller dans la confirmation de l'adresse email. Et ensuite je touche sur suivant. Il faudra ensuite aller rentrer les caractères cabalistiques qui sont affichés pour bien prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc là, j'entre RQLHV et je touche suivant. OneDrive, le compte OneDrive ou le compte Microsoft est maintenant créé sur l'iPad. OneDrive vous recommande d'utiliser plutôt l'application spéciale OneDrive plutôt que d'utiliser OneDrive à travers le navigateur. Bon, C'est ce que nous ferons plus tard dans la présentation OneDrive pour iPad. Le compte OneDrive a été créé avec deux dossiers, un dossier document et un dossier... Imagem